Ah, j'ai pas de lunettes de soleil. Vous voyez actuellement les coulisses lorsque je prépare une petite tenue généralement pour l'intro. Sauf que là, j'ai rien préparé, c'est le délire. Ah, j'en ai trouvé, mais elles sont méga vieilles. Elles ont de l'âge, quoi. Et vieilles. Oh. Ah, toile d'araignée. Vous allez voir que ça sert à rien. Alors, comme ça, on est en été. On est en vacances. On profite du soleil. On tourne des vidéos en short. On est à l'aise. Qui dit vacances dit contenu sur Internet. Bah oui, les jeunes, ils ont que ça à foutre. Internet, à quoi ça sert? Eh bien, moi, l'été, ce que j'aime, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de mimes qui voient le jour. Donc là, vous comprenez en fait que les lunettes, elles servaient que juste, c'était juste pour ça, quoi. Alors, on est qu'au début de l'été, alors forcément, il va y en avoir pas mal, mais je voulais quand même me détendre. C'est les vacances aussi, hein, pour les youtubeurs, un petit peu. On va regarder un petit peu de mimes. Vous avez vu, je lis un peu vos commentaires. Je suis pas un mauvais youtubeur, d'accord? Et je dis plus même, je dis mime. J'ai bien compris que la liberté d'expression, c'était pas ça, quoi. On veut franciser un petit peu les termes. On n'a pas le droit. On a le droit de rien. Je vous ai balancé un petit tweet, bien évidemment. Tout repose sur vous. Je sais pas non plus travailler. Hey, on est en été, je suis en short. Et moi, quand je suis en short, je me détends. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Alors, Dr Benko. Dr Benko, vous connaissez? Eh, pep, pep. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout un mime de l'été, ça, Dr Benko. C'est hyper vieux. Mais mec, c'est vieux de ouf. C'est pas du tout l'été, quoi. Ah, début de l'été, on a toujours un petit truc. Cette année, pour le moment, c'est le Bottle Cap Challenge. On se fait chier, quoi. On sait pas quoi faire. Donc, on ouvre des bouteilles avec les pieds. What? Mais non, le P, c'est mon point faible. C'est vraiment marrant, la façon dont le bouchon s'envole. Je pensais que... c'est tellement scripté. Regardez sa réaction. Genre, regardez l'acteur. Donnez à cet homme un Oscar. And the Oscar goes to... Comment il a fait, parce que... Attendez, il faut appeler Gus, le chasseur de fantômes. Effectivement, c'est à ce moment-là que je compris. Ici, il y a un mouvement étrange. Comme si quelqu'un se cachait sous le t-shirt. À 0,4 secondes, nous pouvons observer une orbe qui semble observer le bouchon. Et soudain, contre toute attente, le bouchon s'envole. Il n'y a plus aucun doute, ce trou de balle est tenté. Vous êtes transgenre, vous étiez une fille et maintenant vous êtes un garçon. Êtes-vous heureux? Oui, je suis très heureux. Oui, mais enfin, tout de même, Jésus. Oh, ta gueule. Waouh, Mariah Carey, c'était vraiment mon crush quand j'étais enfant. Fait que je le dise. Fait que ça sorte. Ah, ça, c'est génial. Ça fait peur. Oula, qu'est-ce que c'est? Direction l'Italie! Oh non, je vais me prendre un strike! Attends, je crois qu'il va... Putain, je me suis fait troller de ouf! Comment le mec a fait pour trouver ça? Expliquez-moi! Le Bottle Cap Challenge! Oh shit! Non, c'est à la fin. Au début, je pensais que c'était juste une chute. J'étais en mode, c'est nul. Mais j'avoue que j'étais pas prêt pour la fin. Comment il a fait? Derrière une petite ficelle. C'est encore... Je crois qu'il y a une présence paranormale dans ce mime. Le bouchon s'est décapsulé tout seul. Ah, j'étais sûr qu'il allait avoir un mot. Celle-là, je l'ai vu, celle-là, je connais. Mais quelle idée de donner ça à un enfant! Ça glousse derrière. Faut jamais faire ça, c'est hyper dangereux. Ah, bottle cap! Tu peux le faire, vas-y! Putain! Ça fait quand même deux fois que je me fais niquer dans cette vidéo, ça commence à faire beaucoup. J'aurais dû savoir. J'ai failli à mon rôle d'influenceur. Oula!
Il a eu 11 réponses. Très nul, gênant, pas fou. Les gens ont pas le droit d'apprécier ta blague, mec. Y'a même pas de crédit, on sait même pas qui a créé. Voler du contenu, jamais. Si je partage une blague sur Twitter, je partage aussi son créateur. Crédité. C'est quoi ça? J'adore cet effet. Je sais pas ce que c'est, mais s'il vous plaît, dites-moi. C'est génial. C'est vraiment tout génial. Mais déjà la vidéo de base est vraiment excellente. Mais alors le petit... Il faudrait me dire s'il vous plaît, j'aimerais bien le mettre dans mes montages. Fixe, il a réparé. Du montage sur du montage, on ne peut plus s'arrêter. Ah, un petit peu de summer vibes, un petit peu de plage. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a des trucs TikTok. Alors, il y a plein de gens qui commencent à dire que TikTok, finalement, c'est pas mal. Il y a des petites pépites dessus, un petit peu comme sur Vine. À voir. Je mène l'enquête. Je vais pas me forcer, hein, si je trouve pas ça marrant, je ne rigole pas. Donc pour l'instant, TikTok, c'est dommage, c'est le seul truc un peu de l'été qu'on avait. Ça, c'est les energy drink de ouf. Oh non, c'est fini. Réalisation parfaite, je dois dire. C'est mes voisins qui vont se poser des questions. Ok, ça c'est quoi? Ah oui, il y a eu la canicule en France, mais j'étais pas là, j'étais au pôle Nord. Du coup, je vais peut-être pas comprendre la blague. Aïe aïe, démonétisé direct. Encore un pot. Au secours! Quelle idée de mettre cette bouteille comme ça aussi. Ah! Ton historique! Attends, mais y'a pas. Jesse, y'a pas Portal. Y'a pas Portal 2 sur. Pendant les. Ah, ça c'est con. Alors on peut regarder un peu. Film porno gratuit. Y'a pas de mal, y'a pas de honte à avoir. Au moins on connaît son site favori. Domina le garage. Tal, tal, tal. Mia, mia, mia. Ok. Ah oh merde! Je m'attendais à une chute différente, mais là. Ah, le cri en plus. C'est vraiment coincé ou pas? Ça tombe, c'est un fake. Laissons les enquêteurs de l'extrême en commentaire nous donner une réponse. Attends. Pourquoi vous prenez des talons aussi? C'est trop dur. Ok. Arouf Gangsta, la légende. Un peu de Minecraft, Minecraft est au goût du jour. Oh. Oh non, encore! C'est le mec le plus malchanceux sur Minecraft. Putain, Minecraft, y'en a partout! What? Wow! Stylé! Stylé de ouf! Encore du Minecraft! Il s'est fait sécher! Je vous dis, les robots vont bientôt nous envahir, on est dans la merde! Ils vont tous nous crever! Ah oui! Best! Sylvain Durif la flèche! Et vraiment, quand on regarde un peu son expression, on voit un peu là, regardez, il est en mode. Il est dans la performance là. Oh, elle le frappe! Elle s'est fait sécher. C'est quoi ces gosses mal élevés là? Sérieusement? C'est horrible ces challenges là, là, de grosses baffes dans la gueule. Wow. Mais il a une déconnexion cérébrale. Hein. Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un appeler au secours. Ah, un petit accent suisse. Je suis sûr que ça vient de là-bas. On vient de là-bas. C'est du troll. Si le mec filme, tu filmes pas dans ces conditions, quoi. Oh nom de Dieu. Bah, le jeu d'acteur. Hey, je suis là. Je suis là. Ça va? Nom de Dieu. T'as, t'as eu chaud. Mais non, les alcooliques. Je sentais, tu vois, la petite supercherie.
Ça, c'est pas gentil, c'est méchant. L'acteur de Stranger Things. En tout cas, ça reste quand même en termes de créativité, comme création, là, c'est énorme. Il l'a trouvé. Hein. Alright, on va arrêter ici. Merci pour tous ces tweets, en tout cas. Profitez de l'été, amusez-vous bien. Bien sûr, laissez un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.